Allez, de retour. Et cette fois-ci, un aimant un peu plus gros. Avec les trois premières trouvailles. Et on me dit à l'oreillette une branche de ginette. Ouais. Là, t'as le bout. Ouais. Là, t'as le fermoir. Ouais. Allez, ça va à la poubelle. Alors si on remonte la corde, voilà, doucement, c'est parce qu'on traîne des objets sur d'assez grandes longueurs et on n'a pas forcément envie de, si on tire rapidement, que ça s'accroche avec quelque chose au fond, un caillou, une butte de terre. Et qu'est-ce que c'est ça? Un manche de balai. Un manche de balai et ouais, quelques corrosions de canette. Hein. Peut-être une pièce. Peut-être une pièce, un petit 5 centimes. Ouais. Ouais, parce que les 5 centimes, moi, ça. Ah ouais, parce que les pièces, c'est que les pièces rouges et 1 et 2 euros qui se chopent sur les aimants. Les pièces jaunes, non, ça prend pas. Ouais, toujours un beau temps, un grand ciel bleu. Avec un petit 25-26 degrés, sympathique. Ah, une petite nardouille. Là, il y en a pas grand chose. Là, il y en a là. Fais gaffe qu'il n'y ait pas d'hameçon quoi. Après on passera un coup de lavage à manière de. C'est lourd ? Oh ouais, c'était lourd ça. Tu l'as perdu ? Ouais. Vas-y, essaye de le remettre. De toute façon, là, on remontera toujours des capsules ou des bouts de canette. Hein. Tu vas retomber dessus, si t'inquiète.
Ouais. Alors, ah, déjà joué une boucle de ceinture, ouais. Et une vis. Oh, c'est une antenne de voiture, ça, non? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Souvent, ça partira à la poubelle, ça aussi. Hein. Après, ouais, s'il y a des trucs qui peuvent être récupérés, bon, ça je pense que c'est mort hein, déjà. Et ouais, parce que certains objets sont récupérés, nettoyés, remis en état. Dernièrement, on a fait un mousqueton, tout rouillé. On va passer à l'acide citrique et tout pendant 24-48 heures. Un petit coup de brosse à dents. Une jolie peinture, il est comme neuf. C'est un morceau de vis, ça. Ouais. De grosse vis, ça. Un escargot. Hop, sacré morceau. Il pèse combien l'aimant déjà? 2 kilos? Non, moi je crois pas 1082 ou je sais pas quoi, 1082 grammes, il me semble. Parce qu'on a quand même un très très gros aimant. 1082 grammes, oh ouais, il fait quand même beaucoup de kilos. Force d'adhérence magnétique 210 kilos. 250, 110, 210 quoi. Double face. Hein. Avec. Ouais, de, non, 210, 210. 250, ouais, non, il est un peu trop cher. Avec deux fixations possibles. En plein milieu. J'ai aussi beaucoup. Je fais pas de pub, non, non, on n'a pas. Mais voilà, ça c'est vraiment tout petit, 65, c'est avec ça qu'on a commencé. Voilà, sur le sien, on a la fixation en plein milieu. Mais on a aussi une espèce de fixation. Juste sur le bord là. Et vu que l'aimant il est de ce côté et de ce côté aussi, on tire en plein milieu. Tiens, vas-y, relance pas, je vais leur montrer. Un combo de briquet. Un combo de briquet. Ah ouais, trois d'un coup. Ça, je pense. Oh, il y a un triple. Un quoi? Un triple. Oh, vas-y, je vais essayer de le prendre sans piquer quand même. Amis pêcheurs, si vous avez perdu un triple, hein, voilà, parce que c'est lui aussi il pêche dans tout le poisson hein, et tout ça. Et celui-là, tu vois, on pourra même le récupérer. Mais non, tu peux pas, la boucle elle est pétée. En fait. Ah, la boucle est pétée, parce que j'ai mon doigt dessus. Je pensais qu'il était juste coupé du fil. Là. Bon, ben, il partira à la poubelle. Hein. D'accord, je t'ai dit de ne pas relancer, comme ça, on leur montre l'aimant. Merci beaucoup.
Ah bah je vais le mettre dans le creux de la capsule. Ça y est, ça commence à s'enjailler. Oh, ça sent rien. Bon, prochain lancer, tu rejettes pas, hein? Tu nous montres avant, hein Damien? Et puis après, on arrêtera la vidéo, ouais. Ça commence à faire un petit peu long. Alors, quelque chose, cher ami? Ah ouais, qu'il y a du courant, ouais, on risque de perdre. Oh, il est carrément dévié là. Ah ouais, mais c'est violent là. À tout moment on fait une bombe dedans. Elle est directement projetée au plafond. Allez, viens moi, c'est Barra. Il allait rejeter. Il allait rejeter. Voilà la fixation sur le côté là. Là, elle est là. C'est bon, tu l'as vu? Et parce que l'aimant il est là, là. Et putain, il me l'enlève d'un coup. Mais si je lance, à tout moment je peux tomber le téléphone. Donc. Eh ben on peut le repêcher non? Je pars toute la vidéo après. Une espèce de d'éclaboussure dans la tête. Hein. On a rien entendu. Hein? On a rien entendu. Allez, après se remonter, on va couper la vidéo. Petite danse hip-hop au fond. Moi si je fais ça, déjà d'un je m'enterre, de deux je perds un bras. Déjà que j'ai mal au bras, ouais. Oui, mais il est encore utile, je filme avec le bras où j'ai mal. Et oui, j'ai un travail qui fait mal au bras. On ne dit rien. Hein. Allez, alors dernière remontée. Des capsules. Carcassonne, ville de la bière. Allez, de toute façon on reviendra ici puis on fera d'autres vidéos. Allez, tchuss.